le 14 novembre. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde par Russie 2018. Le regroupement commencera à Paris à partir du lundi 6 à midi. On aura une séance d'entraînement l'après-midi. Et dans la soirée, je prends le vol pour partir à Johannesburg. Donc on arrivera le lendemain à 10h. On restera quelques heures à Jobu pour, dans l'après-midi, reprendre notre vol pour arriver à Polokwane l'après-midi. Le stage commencera et les séances commenceront. Donc, je pense que l'ensemble du groupe, en tout cas, sera à Paris. Il y aura effectivement peut-être des joueurs qui vont prendre d'autres itinéraires. Et nous espérons que le 7, dans la soirée, l'équipe sera là, tout le groupe sera là. Ce sera un groupe de 25 joueurs qui seront convoqués pour ce match-là. Comme vous le savez, nous allons vers un match difficile, pour ne pas dire deux matchs très difficiles. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, l'équipe, les joueurs doivent se préparer et comprendre que la qualification n'est pas encore acquise. Il y a encore deux rencontres très importantes qui nous attendent. Donc nous devons y aller avec énormément de concentration, de détermination pour justement terminer le travail qu'on a commencé depuis pratiquement plus de 2 ans et demi. Donc sans plus attendre, je vais vous donner la liste des 25 joueurs. Clément Diop, Kalim Diaye, Alfred Gomis, Kalinou Koulibaly, Lamine Kassama, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Tidiane Doy, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gannegueye, Diawonketa Baldé, Moussa Sow, Moussa Konaté, Moussa Wagé, Salif Sané, Alfred Diaye, Opa Guet, Fallou Djan, Sadio Mané, Adama Ben, Jafra Sapo, Saliou Sis, Elad Hassan Toussé, Mam Aladi Nian, Youssouf Sabali, et enfin Serine Moudou Karambouj. Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces doubles confrontations contre la République. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions.